Si vous pouviez y réfléchir, Dame Cassandra, les prêtresses sont toujours séquestrées. Si personne ne fait rien, elles débattront pendant... Et vous croyez que moi, je vais réussir à les mettre d'accord? J'en ai assez entendu pour aujourd'hui, Mère Giselle. Parlez-lui, votre grâce. On n'a jamais fini de s'amuser à Fort Céleste, à ce que je vois. Tous les nains sont aussi comiques, ou c'est juste Varric et vous? Je suppose que vous savez que Leliana et moi sommes toutes les deux candidates pour être la prochaine divine. À cause de ce qui s'est passé à Alam Shiral, bien sûr. Vous, et donc votre entourage, avez la faveur de l'Empire Orlésien. Alors maintenant, la chanterie parle de nous sans même nous avoir consultés avant. Comment vous et Leliana pouvez être candidates? Vous n'êtes même pas prêtresse. Ce ne serait pas la première fois. Amara III était la sœur de l'Empereur et Galatée une simple roturière. Au moins, Leliana et moi faisions partie de la chanterie. Ce serait accepté. S'il n'y a pas besoin d'être prêtre pour être éligible, alors pourquoi je ne ferais pas l'affaire? Parce que vous êtes un homme, pour commencer. Si elle vous autorise à être candidat, autant qu'elle rejoigne l'Empire Tevinted. Plus sérieusement, j'imagine que c'est parce que vous leur faites peur. Le trône du Soleil ne résisterait pas, et la chanterie ne peut survivre sans lui. Mais je ne comprends pas pourquoi Leliana ou moi voudrions mieux. Si vous n'en voulez pas, dites-leur. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. La chanterie, le cercle des mages, les Templiers, ce n'était pas censé finir comme ça. La chanterie doit transmettre la foi, l'espoir. Elle ne peut pas renier ce devoir, même face à une mort certaine. Je m'étonne de vous entendre dire ça, surtout vous. Ah, ce n'est pas moi qui ai proclamé l'Inquisition contre la vie de la chanterie, peut-être? Pendant toutes mes années en tant que chercheuse, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ma foi l'exigeait. Mais aujourd'hui, ma foi exige autre chose, que j'ouvre les yeux. De nombreux événements extraordinaires nous ont conduits à cette situation. Je n'en suis pas si sûre. Tout ça couvait depuis longtemps. Vous saviez que Varric était Andrastien? Il blasphème dès qu'il en a l'occasion, mais au fond, c'est un croyant. Son cœur est profondément vertueux. Mais il ne mettrait jamais un pied dans une chanterie. Et ça devrait être le premier lieu vers lequel se tournent les vertueux. Il faut qu'elle change. Et si je dois être celle qui apporte ce changement, alors soit. Qu'est-ce que vous changeriez dans la chanterie, vous? Le cercle des mages a sa place. Mais il doit être réformé. Les mages doivent pouvoir se gouverner, mais avec notre aide. Les Templiers doivent faire figure de protecteurs des innocents, et non de gardiens de prison. Chacun doit être vigilant, mais aussi compatissant envers les autres peuples de Tedas, humains ou non. Voilà ce que je changerais. Vous n'êtes pas la seule candidate. Qu'est-ce que vous faites de Leliana? Leliana dit vouloir préserver l'héritage de Justinia, mais on a un souvenir d'elle très différent. Justinia savait que les prêtresses, comme le peuple, n'accepteraient un changement que progressif. Je crois que Leliana raserait tout pour recommencer à zéro, et ce serait le chaos assuré. Votre détermination est admirable. Certains hommes la trouveraient repoussante. Je ne suis pas de cela. Je n'en ai aucun doute. C'est qui la flatteuse, maintenant? C'est votre nouvelle croisade? Je n'ai encore rien accepté. Et si la chanterie vous appelle? Alors je ferai de mon mieux, aussi longtemps que je le pourrai. Je ne devrais sûrement pas m'en faire. Les prêtresses n'ont encore rien décidé. Pour l'instant, nos priorités restent de rétablir l'ordre et d'arrêter Corypheus.